Caicedo, le nouveau joueur le plus cher de la Premier League, la nouvelle pépite de Chelsea. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Caicedo. Moses Caicedo, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est bon, on est parti. Alors, les gars, Moses Caicedo, franchement, son transfert sur l'Europe. Il devient le joueur le plus cher de la Premier League. Un transfert d'environ 133 millions d'euros, les gars. Il a battu le record de Jack Grealish. Il a battu le record de Jack Grealish. 133 millions d'euros. Alors, qui est ce joueur? C'est un mec qui vient de l'Équateur. C'est un international équatorien, les gars. Il vient de l'Équateur. Et il a 21 ans. Il est né le 2 novembre 2001. Il a 21 ans, il est droitier, il vient de Brighton. Mais est-ce que cette somme-là est vraiment raisonnable vu son talent, les gars? Est-ce que c'est raisonnable? Moi, ça me choque, les gars. Moi, ça me choque. En même temps, je me dis que c'est Chelsea, parce que Chelsea, ces dernières années, ces derniers mercato, Chelsea est vu comme le pigeon. Chelsea est vu comme le pigeon. Parce que vous pensez que si tu peux acheter un joueur comme ça, 133 millions d'euros, vous pensez que le Real de Madrid peut acheter un joueur comme ça à 133 millions d'euros? Moi, je ne le connaissais même pas. Avant son transfert à Chelsea, je ne le connaissais même pas. C'est parce que ça fait du bruit que j'ai essayé de faire mes petites recherches sur Internet, etc. Avant que j'ai découvert que c'est un mec qui vient de l'Équateur, les gars. Sinon, je n'avais aucune information sur ce jeu, je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais même pas. Avant de faire la vidéo, j'ai fait les petites recherches sur Internet. Je ne le connaissais même pas, le mec. Donc, un joueur qui est à peine connu par le grand public coûte aussi cher à un transfert mirobolant. Franchement, j'attends de voir. On ne juge pas une personne sur l'apparence. On le juge sur le terrain. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner sur le terrain. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que ce joueur sera capable de fermer la bouche? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.